now i'm going to do the same thing i did with my spanish videos but with french um, french is not a new language for me i've been learning it since i was about five years old because i grew up in canada and i was in a french immersion school in canada so i lived in a english speaking province but i was in a french school so that's where i learned french i didn't learn it to such a high level but i learned it well enough and uh, recently i've become interested in french again so i want to study it again and this is my first video so i want to see how i sound and where my levels at so and then i'll make uh, subsequent videos uh, as i progress with my french um, to see how i progress and um, i'll speak in french oh and before i start speaking in french um, the European standard of language like they have this uh language framework to gauge uh proficiency and it goes it's six levels it goes A1 A2 B1 B2 C1 C2 and B1 B2 is intermediate levels and I think my French is between a B1 and a B2 so uh, I haven't taken an exam but I think that is fairly accurate so I'll speak now and maintenant et comment Bon, alors, euh, je peux vous décrire un peu mon histoire, ou je peux vous raconter un peu mon histoire avec le français, comment j'ai commencé, euh, comment j'ai réuni mon, ou comment j'ai renouvel, renouvelé mon intérêt dans euh, le français. <laughs> Alors, comme j'ai dit, j'ai grandi en Canada et là j'étais dans une école immersion française. Et alors dans cette école, les gens venaient de les familles anglophones, mais tous les cours, tous les professeurs, tout le, toutes les matières étaient en français. Alors, euh, on a appris pas mal de français, mais quand même dans, pendant le récré, ou dans, entre nous, on, on parlait en, en anglais. Alors, on a tout réussi, une, niveau en français pas mal bien, mais pas trop. Et bon, euh, j'ai eu une pause de 4 ou 5 ans, quelques ans, là où j'ai j'ai pas utilisé mon français du tout mais euh, maintenant il y a quelques ans on, on a moi et mon famille on a fait un voyage en en Paris et c'est là où j'ai renouvelé mon intérêt en français alors euh, maintenant euh, pendant les derniers, dernières deux, deux années j'étais en train de étudier espagnol mais maintenant je veux étudier français de, de nouveau et je suis aussi en train d'étudier portugais c'est une nouvelle langue pour moi et, et, et bon c'est euh, ces deux langues c'est ce que je suis en train de faire maintenant et j'ai pas vraiment des, des plans de voyager en france dans l'avenir mais j'aimerais lire plus et peut-être rencontrer des amis et maintenant j'ai une amie en France que je parle une fois, bon, on essaie de parler une fois par semaine et ça m'aide, ça m'aide, je lui aide avec son anglais, il m'aide avec mon français et bon.